démobilisé. Quand je suis ressorti de prison, naturellement, toute l'armée avait été démobilisée le 11 novembre, quand ils ont envahi la zone libre. Alors Alors, là, comment ça s'est passé? Une fois qu'on t'a dit, bon, bah, ça y est, c'est le SCO. je suis rentré ici. Ouais. J'ai été planqué, il m'a foutu une carte de jour. Hein, on n'osait pas trop sortir. Et puis après, j'avais quand même trois frères qui étaient, enfin deux frères et moi, qui étaient en âge de tous ces histoires-là, que je cherchais le boulot, 17, 18, 19 ans, 20 ans. Quand il a fallu partir, je me suis décidé à partir quand même. Alors j'ai été à la commandanture, chercher mes 1000 francs, je me rappelle toujours, paire de chaussures, 1000 francs, et je suis monté dans le train à Montbéliard. Et j'ai ressauté en bas du train au pont double. Et par la suite, donc, on est revenu là en 1944. Et là, j'ai fait le maquis des Taubons. Donc, tu as entendu parler des Taubons. Oui. Tu sais ce qu'il en est. Dans les bois de la Ture, là. On était là pour attaquer le Congo allemand. On avait fait quoi? Deux tués, deux prisonniers, dont les femmes qui se sont sauvées. Et d'où est parti le massacre des Taubons, qui l'ont fusillé tous les ans. Les armes que vous aviez été chercher là, Bussurel, la fosse artillerie. Ben, je ne sais pas d'où ils venaient. C'est des armes qu'ils avaient eux-mêmes cachées, foutues dans le purin, parce qu'ils étaient pourchassés par les Allemands qui se sont aussi éclatés. Et ils ont foutu les armes là. Nous, on a été les récupérer après. C'est tout. Voilà. On les essayait dans le C'est bois, les jeunes, c'est le on a travail des attaqué. jeunes, ça. Qu'est-ce qui a fait, Félix, que tu es rentré dans la résistance? À ma faute de résistance, ben, donc là c'était avec le Taupin, Kometz, c'est parce que tu te rappelles de lui. Non, de nom, oui. Mais... Alors lui était déjà cherché, quoi. Alors, moi j'étais arrêté en 1942 avec mon père, mon frère. Tes deux frères. On nous a arrêtés, c'était pour l'anniversaire, le 150e anniversaire de la bataille des Valmy. Ils nous disaient, vous êtes ici, partons, partons, mais... Ils étaient entourés par les flics, ils pouvaient pas se barrer, puis laisser mon père tout seul, là, dit, non, moi, je pense. Ouais. Je n'avais pas parti, quoi. Le foyer était caché derrière une fontaine. Et puis moi, plus copain, on était sur la route, comme c'est pas semblant d'être là, quoi. Hein, à marcher comme ça. Puis quand ils étaient assez près, quand les deux qui sautaient dessus, il y a été mes encore deux gars qui étaient avec nous, qui étaient en bas, du côté de Mèche, qui surveillaient, ils avaient des mitraillettes, et puis ils surveillaient ceux qui montaient. Il y avait quelqu'un des Boches qui aurait monté, ils auraient foutu en l'air, quoi. Alors là, on est arrivé, puis alors, les gars, j'ai dit, c'était un costaud le Boche, hein. C'était un gars qui faisait au moins 100 kilos. Mais les deux gars qui l'ont chopé, c'était costaud aussi, enfin. Ils l'ont foutu par terre, et puis alors là, c'est là qu'on a commencé à le tabasser, quoi, pour le mettre KO, quoi. Alors, un grand coup de pied, c'est bien simple, mais tu fais une entorse à côté du coup de pied. Il était costaud. Enfin, après, on l'a pris, les deux autres qui étaient en bas, ils sont venus, on a pris, il y avait une ferme à peu près à 100 mètres, on l'a amené derrière la ferme. Puis là, ma foi, quand il est revenu à lui, on lui a lié les mains, c'est tout quoi. Puis alors, ils sont partis de l'autre côté, derrière l'allée, quoi, la première fois. Puis là, ils traversaient le bois, puisque ces deux machins, comme on l'a des maquis de mèche. Ils avaient le maquis par là, alors ma foi, bon, ils ont mis au maquis, quoi. Puis nous, on est revenus. Après, je ne sais pas où ils ont été, non, pas ceux qu'ils ont fait, mais nous, on a dit, voilà, demain matin, vous passez, vous partez par là. Alors, puis moi, il y avait moi qui avait un pétard sur les quatre. Oui, sur les quatre, il y avait moi qui avait un pétard.
Et dans la bagarre, mon revolver a tombé, que je n'ai pas fait attention. Mm-hmm. Quand ils l'ont emmené, pas de pétard, venez vous chercher, qu'il me dit. Enfin, j'ai été le chercher, puis j'étais au tournoi de la route. Puis il y avait deux flics qui montaient. Les Français. Alors, tant pis, hein. Je me suis avancé, je suis avancé. Jamais j'ai vu des types pédaler comme ça en montant une côte. On apprend que Pétain, la balle, et qu'on sort accompagné de plusieurs soldats allemands. Mmh. Ils sont arrêtés au château de Montvilla. Mmh. Et le châtelain, c'est un gars de la résistance. Là, tu peux lire. Et le sous-préfet Montbéliard avait participé à cette réunion. Alors, Fred Drouin, il me dit un jour, j'ai dit à Fred, qui était mon chef, j'ai dit, écoute, Freddy, c'est trop compliqué ce que tu m'expliques. Si tu me laisses faire, moi, je vais faire le coup et je vais choisir mes hommes. Après tout coup, je connais des hommes qui sont capables de le faire. Il me dit, bon, ben, comment tu veux faire? Eh ben, en plein milieu de Montbéliard. Arrête, malheureux, il me dit, tu vas pas un petit peu les otages? Je dis, non, il n'y aura pas d'otages si tu me laisses faire. Et je sais qu'il fallait faire vite. Parce qu'on ne savait pas si dans les employés dans le sous-préfecture de Montbéliard, il n'y avait pas un collaborateur. Il fallait organiser quelque chose qui ne dure pas plus de 3 minutes. Parce qu'à l'époque, les colliers, c'était les Allemands, et les miliciens, c'était infesté Montbéliard, il y en avait partout. Alors ils me disent, enfin, carte blanche. Le 20 août, à 4h d'après-midi, Saint-Bonhomme. Tu connais la sous-préfecture de Montbéliard? Oui. Et les quatre étaient là. Moi, je m'amène. À la porte, je sonne. Je savais qu'ils étaient revenus de Belfort. Il y avait un colloque là-bas. Je sonne, le vieux, le papa, un petit père. Il y a le petit père, il ouvre, qu'est-ce que c'est? Alors, aussitôt je mets le pied entre les deux, je prends mon pétard dans les mains, je le pousse dedans, mes copains m'ont suivi, et comme c'était, le plan était établi d'avance, on a au pas perdu, on a lâché le téléphone, on a un qui gardait en otage le papa puis la maman, un sur l'escalier, un au-dessus, qu'on n'est pas perdu. Et moi et Jean-Héry, on rentre dans la préfecture. Jean-Héry dit, on les mains, tout le monde a les mains. Et moi, je cours vite au bureau du sous-préfet, parce que je connaissais le jour avant de la préfecture et j'étais à peu près. Le sous-préfet, en croyant que c'était un secrétaire, entrez, je rentre, on les mains. Vous allez me remettre l'entrevue que vous avez aujourd'hui avec Pétain et sa clique. Je ne peux pas dépêcher vous. Vous êtes marié, je le sais, si vous tenez à la vie. Et attention, je dis, vous allez me remettre la serviette que vous avez là avec tous les feuilles à dactylographier de l'entrevue. Il m'a tout donné. Je suis sorti sans coup de feu, sans rien. Chacun de nous a pris un chemin puis. Pour pas être appelé. Et la serviette, je l'ai amenée à la cure de Montbéliard, à la Besselbe. Comme c'était responsable, il y avait deux camions, et puis il dit, tiens, il y en a un, on va les faire sortir. C'est pour sauter les canons à Place Saint-Martin-Montbéliard pour le faire. Mmh. Et les Allemands étaient là. Hein. J'arrive, tu sais que c'est qu'un plastique, on avait appris à manier le plastique. Le plastique, la mousse, le crayon retardement, les crayons de trois couleurs. Hein. Les crayons, mettons rouge, noir et blanc. Par exemple, le rouge, tu pressais, et tu avais le temps de partir un kilomètre ou deux.
et ainsi de suite, ou bien instantané. Eh bien, on a placé le plastique. Le camion a sauté, il n'y avait plus une vitre à Place Saint-Martin-Montbéliard. Et comme j'avais peur que les gens soient pris, il y avait une petite bonne femme, j'ai dit, madame, allez, partez vite, elle a compris. Bah, pourquoi je suis entré là? C'est joli, c'était un besoin de se sentir sous le joug des Allemands. On était vraiment pas libre. Quoi. Quand on est jeune, on aime bien, par exemple, sortir, il y avait le couvre-feu, il y avait... Quand on voyait les rafles, ça nous a impressionné, ça nous a stimulé, quoi. Puis alors, en plus, j'avais des camarades qui je savais, on faisait partie aussi. Puis, ma foi, c'est là que j'ai commencé, quoi. J'avais 16 ans, 16 ans et demi, quoi, quand j'ai commencé. Je me souviens qu'on prêtait serment. Ça a eu lieu dans le bois de sapin vers l'entrée du cimetière. Vous aviez prêté serment, c'était quoi le serment? Je me souviens plus des paroles qui ont été dites, mais enfin, on s'engageait à... Je ne sais plus, je me souviens plus des paroles qu'on avait jurées, là. Puis bon, au début, mes actions se soldaient en commission. Je faisais des petits transports, en bicyclette dans l'autre zone. J'avais mis sur elle, Eric Cour, j'ai amené des paquets, quelques paquets. Et puis, c'est tout. Puis alors après, comme je faisais de la radio, on m'a demandé si je ne pouvais pas faire un émetteur. Là, c'était déjà la 44, là. Et enfin, je me suis attelé à faire ça, quoi, aidé par quelques camarades, quoi. Puis bon, c'était quand même assez long, parce que à 16 ans, j'avais quand même pas de notion de... Je connaissais la radio, mais quand même pas à ce point-là, quoi. Alors il a fallu faire des essais de portée, quoi. Sans parole, bien sûr. On avait des moyens, c'est quand on voit la technique actuelle. Puis les moyens que j'avais un vieux phono et puis un micro devant, et puis on passait des disques pour la portée, c'est tout. Et puis alors après, bon, bah, une fois qu'il est terminé, je sais qu'il y a un monsieur, je ne sais pas qui est venu, qui a envoyé des messages à Cody. Puis c'est de là que, quand je suis rentré, un copain qui travaillait avec moi, il me dit... C'était qui votre copain? C'était un nommé, bon, je ne me rappelle plus du nom, il tient un magasin d'électricité à Érico. Tournier. Voilà. Tournu. Voilà. Oui. Donc c'est comme ça que vous êtes rentré dans les groupes de résistance. Moi c'est pareil. C'était à quelle époque? Tribaudet, il était tout le temps ici. Tribaudet, oui. Et son clairon. Avec nous, c'est comme ça. Et vous, monsieur Beignet, donc, comment c'est passé? Moi, c'est comme ça, avec les copains qui venaient là. C'est ce que je vous dis, moi. Dans ce temps-là, je faisais la culture, j'étais pas jours. Et vous aviez quel âge, monsieur? 17 ans. Oui. Votre père était déjà aveugle? Eh oui. Mon père est venu avec en 39. Ouais. C'est ce que je lui disais, on aurait pu se faire négocier pour le lapin. On n'y pensait pas. On n'y pensait pas. On n'y pensait pas. On ne pensait pas qu'on pouvait se faire descendre. On coupait un fil, là. Il foutait des lignes partout, c'est comme on l'a toujours dit. On coupait un fil, on ne pensait pas que c'est un qui pouvait vous aligner comme un des deux. Hmm. Ah. Pour le câble, quand on a coupé le câble, le téléphone, tu y étais aussi? Oui, ouais. Ouais, là, au-dessus de Trémois. Au-dessus de Trémois, oui. C'était quoi cette action, là? Expliquez-moi. On a coupé le câble qui reliait Strasbourg-Lyon. C'est le câble du téléphone. Téléphone. Gros comme ça. La téléphonie. On a creusé un mètre de fond. Alors, ils avaient mobilisé tout le secteur, et puis on avait mis des fusils mitrailleurs d'un côté et de l'autre. C'était sur la route de Besançon. Hein. Il n'y a personne qui descendait là. On a creusé et puis on a coupé un bout de câble comme ça. Là, on a commencé déjà à le scier. J'ai pas moyen. Hein. C'est dur, oui. Alors après, on a mis un bout de planche dessous, bien qu'une arche, on a coupé. Puis on a enlevé un mètre. On a tout rebouché comme il faut, quand on ne voyait rien. Ils ont déjà cherché deux jours. Et puis après, ils ont envoyé une équipe de Lyon. Avec un camion dépanneur, vous savez, qui a tout dans un même tour. Hein. Mmh. Alors, on les a laissés réparer
presque que c'était fini. Et puis après, on en a été, on est dans l'égoté l'équipe, et puis on a emmené le camion vers Bien. Bien. Et on y a foutu le feu. Oh, vous aviez capturé les gens après? On a coupé le câble. Oh, alors après, Francis était mauvais. Alors ils ont mis une autre équipe pour réparer, mais il y avait les sentinelles là, ce qu'on a. C'était des Allemands? Ah oui. Ouais. Alors j'ai tout démonté, j'ai tiré vers ça. J'ai remis, après, tatac, ça marchait. Il n'avait pas les munitions. Si, moi j'en avais. Hein. Une boîte, mais. Ah oui, une boîte. Vous étiez armé comment, monsieur? Moi, pas grand-chose. J'étais pas armé. Pas armé. On avait des fusils de chasse, rien du tout. On n'avait pas de cartouches, on n'avait pas. On pouvait pas. Vous n'avez pas peur d'aller comme ça? Oui. Quand on y pense, de Dieu. T'as bien te laissé partir, mais on en avait touché les armes. Elle était malade. En dernier, on en avait touché, et puis les Boches venaient fouiller deux fois, trois fois par jour chez nous. Oh, ils arrivaient, me foutaient de la mitraillette dans le dos. Ils fouillaient partout, depuis le haut jusqu'en bas. Ils n'ont jamais été dans la gare. Pourtant, il y avait une trappe au milieu du plancher. C'était visible, hein. Jamais ils ont été dans la gare. Heureusement, parce qu'ils avaient trouvé un putain. Non, il n'y avait rien. Mais ah bon? Quand j'ai vu ça, moi j'ai une espèce de charrette à quatre roues. Et c'était comme un petit tombereau. Oui, ah oui. J'ai mis les fusils dedans, j'ai mis les grenades, tout, mitraillette. Je les ai mis dans le fond, puis j'ai mis des fumiers par-dessus. Et puis j'ai monté au copri avec. Mais il y avait une sentinelle hein, sur les ponts. Il me regardait, ma foi. J'ai fait semblant de mener des fumiers. Puis j'ai caché mes armes dans un trou des mines, là, une ancienne mine. J'ai trouvé un trou bien profond, bien sec. Je l'ai camouflé, tout, avec du papier et tout. Un jour, je reçois un ordre de me rejoindre dans l'air avec tout le matériel qu'on avait. On devait aller, je ne sais pas où, je ne me rappelle plus. Je monte là-haut avec ma charrette. Merde, je vois déjà le papier qui était tout dehors. Oh, alors, puis j'arrive là, il n'y avait plus rien. Vous vous rendez compte, c'est de la gueule que je faisais. On vous les avait pris? Oui, puis j'y raconte mon histoire. Oh, il me dit, c'est pas grave, il me dit, ça y est, c'est nous qu'on les a. Ah. Ah. C'était le Georges Caillot. Ah oui. Ah, parce oui. Les Boches ramassaient les bonhommes pendant 2-3 jours, et puis c'était sauvé, puis il avait été se caché dans les trous là-haut. Puis il avait tombé dessus. Ah, et puis il avait été trouvé le demoujo là, qu'il connaissait. Il a dit, ramassé ça. Oui. Ils ont vu tout de suite que c'était des armes à nous, mais ils ne savaient pas qui c'était. Ça fait qu'ils me disent pas le tout, qu'ils me disent, ah, Mathieu, il faut les remonter à l'air, les armes, il les faut pour ce soir. Ben, je les ai remontés depuis, parce qu'il restait là où il y a les feux rouges à la croisée, là, le Mathieu. J'ai tout chargé sur mon vélo, je ne peux pas monter dessus, j'étais trop chargé. J'ai été jusqu'à l'air, en plein jour, en plein après-midi. Ils m'ont engueulé, hein, c'est les Muller. Les Muller. Ils m'ont dit un sacré culot. Ça fait bousiller. Puis j'en ai croisé des voitures Boches et tout. J'ai passé comme une lettre à la poste. On ne t'empêchait rien, quoi. J'ai été pris par les Allemands. J'ai été pris. Vous avez été pris où? À quelle occasion vous avez été pris? Comme réfractaire. Ils ne savaient pas comment est parti la résistance. Ils m'ont bien questionné. J'ai dit la résistance, mais je ne sais même pas ce que ça veut dire. S'ils l'avaient su, vous pensez bien que le culotte pouvoir me sauver. Quand ils nous emmenaient en Allemagne. Surtout qu'ils nous ont enlevé les menottes qui nous bourraient dans les wagons aux bestiaux. Ils nous bourraient d'un côté, moi je suis parti de l'autre. Devant eux. Ils m'ont rien dit. Il y avait des gendarmes français qui étaient à la gare de Dorson qui m'ont fait signe. Je faisais ça. Ils m'ont caché jusqu'à ce que la patrouille soit partie. Quand la patrouille est partie, j'ai dit indiquez-moi voir le chemin, il faut que je rentre sur mon véhicule. Il faut que je m'indique, puis je suis revenu à Fille. À Fille, j'ai mis une journée. Ah oui. Quand on est jeune. Aïe, ouais. Mais j'ai resté 11 mois en prison quand même, hein. À la butte. À la butte, ouais. 3 mois à Belfort, puis le reste à la butte. Pendant tel âge, je vais te dire des choses, mais ça me fait quand même de la peine. Et puis ça, si on pouvait en parler quand même un petit peu, là.
Toi, j'habitais au Cité du Pont, là, ce qui a été démoli maintenant. Nous, on était trois frères qui étaient l'âge d'être deux réfractaires, service obligatoire, un troisième qui était aussi au maître. Enfin, on se débrouillait. T'avais la famille Thomassé, ils avaient trois garçons. Il y en a quand même deux de morts. Et depuis 50 ans, jamais on n'en a parlé à la commune de Bétoncourt. Ça me fait de la peine, ça. Un père de famille qui a perdu deux enfants, hein, que personne n'en parle. Ils sont morts comment, ces deux? Eh bien, au four crématoire à Pleinval, au maquis des Échos, pas de l'Aumont. Hein. Et l'Albert qui est mort en déportation. Marie avec deux gosses. Mmh. Comment ils s'appelaient, les deux frères? L'André et l'Albert. Il savait que j'habitais là, alors il dit, bon ben, ce soir je dors chez l'Edwige, ma belle-mère, qui nous abritait, quoi. Mm-hmm. Puisqu'il était recherché de partout, il a dit, bon ben, j'arrive là, le copain arrivé, ils avaient été là-haut, mon frère, les copains de son groupe sont partis après les voies, quoi. Alors là, j'ai eu le copain, le fond d'Arsenal, hein. Alors là, ça m'a resté dans la tête, hein. C'est vrai. Quelle affaire. Il avait un mitraillette, des machins, puis deux revolvers. Il a tout mis sur la table, puis il dit, un bleu, alors là, tu es là. Et puis, au milieu de la nuit, la Marie est venue le chercher, la Marie, et puis il est rentré, quoi, enfin. Alors là, on devait rentrer dans le groupe avec mon beau-frère. Mmh. Et puis, le topin a eu deux, trois coups durs avec son groupe. Parce que ça, eux, c'était tout le temps, ils ont brûlé les pneus à Sainte-Julonne. Et puis après, il a eu un coup dur à l'ancienne moitié Tivoli, quoi. Vers chez Gogel, là. Mmh. Il a fini, il a sauté. Les Allemands l'ont coincé là avec son copain, mon der Paten. Et puis ils ont sauté dans l'Allemand, ils ont fini dans les cités Gogel, mmh, à cette époque-là. Alors de là, ils se sentaient un peu piégés, puis il a fini par partir en Suisse. Alors le groupe a été rattaché à Saint-Mainbœuf, quatre copains d'école. Hein. Mmh. Philippe, Félix, Eusèbe, Valentin. Le dernier, il avait 16 ans. Mmh. Et ils sont parvenus. Alors moi, dans leur affaire, les Allemands m'ont cherché à Plancourt, ils m'ont cherché à Sainte-Suzanne. Et puis j'ai pu me planquer, j'ai été planqué partout, j'ai dormi dans les bois. Et puis finalement, là où j'ai eu le coup dur, c'était chez la grande messe, la mère du Marcel d'habitude. Ouais. Elle me dit, tu sais plus aller, viens chez nous, parce que le coco et puis le Maurice étaient au long monde. Alors moi, je me suis retrouvé tout seul avec trois femmes. Mmh. Ça n'a pas duré longtemps, deux jours. Les Allemands faisaient toutes les maisons. Elle revient en courant, elle me dit, Cyril, sors-toi vite. Alors je suis parti dans les bergers. Hop, mmh, j'ai remonté chez mes parents qui habitaient au-dessus de la côte, au-dessus de la côte de Rose. La maison est encore là, d'ailleurs, mes parents. Ils ont brûlé, les Allemands, la libération. Moi, je l'ai vu brûler. Mmh. Et je tombe au service de renseignement, puis le gars me l'épluche, parce que les Suisses, ils travaillent aussi bien pour les Allemands que les Français. On a commencé malin comme tout, à m'interroger sur les Allemands, combien qu'il y en avait, puis quelle atrocité, tout. Oh, la colère me prend. Il me demande sur les Français, combien qu'on était au maquis, taratata. Allez, objet, c'est terminé, je cause plus. Alors ils m'ont dit que je voulais être interné, ou bien partir passer à Pontarlier. Allez, Pontarlier. Et là, j'ai retrouvé la vaisselle. Mmh. Je suis sûr que c'est bon, hein. Mais on ne se rendait pas compte qu'on risquait notre peau tous les jours. On ne se rendait pas compte. C'était bien, c'était trop bien. On jouait bien, on buvait bien. On rigolait, on charitait. C'était une ambiance formidable. Puis alors, il n'y en avait pas qui voulaient écraser les autres. C'était des copains. Il y avait tout, hein. Il y avait un Polonais, il y avait beaucoup de la citadelle aussi. Alors, on était ravitaillés, on allait. Quand il fallait aller en mission, ben on y allait, quand on allait chercher la soupe. On allait chercher la soupe. Bien souvent, on allait chercher la soupe ici avec ton groupe pour dire. On était comme vraiment inconscient. Hein. Les gosses, tiens, la soupe, viens chercher la soupe pour le maquis. C'est le beau souvenir, le beau côté que je me souviens, c'est de cette ambiance justement, ces accords qu'il y avait entre différentes places, différentes personnes. Il n'y avait pas de différence. Mm-hmm. Tout le monde. Et avec un but, on était français, on était. On était tous ensemble, quoi, puis il n'y a pas de problème. Que ce soit même des un peu plus riches, que ce soit protestants, que ce soit catholiques, que ce soit des Polonais, des Italiens, on était tous dans le même pétrin, quoi, disons. On essayait tous de s'en sortir, on se donnait tous la main. Et c'est ça qui était beau, c'est vrai. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que même le groupe, il m'aurait demandé, ben, je serais allé pareil. Je ne faisais pas de différence. Il y avait qu'un but.
tendance un peu à oublier quand même que les Marocains, les Sénégalais, tous ces gens-là, en fait, ils ont très largement contribué à ce, oui. à ce qu'on ah, vit oui, en liberté oui, aujourd'hui. Oui, oui. On n'a pas un peu oublié tout ça quand même. Je ne l'avais pas eu. Il y a des fois, j'ai peu de jours quand. Et il y en a qui nous disaient, t'as eu la veine que mon père vient de se faire casser la gueule pour vous. Mais je lui disais, c'est la vérité. Hein. La vérité. Hein. Moi, quand je suis parti soldat, je suis parti au mois de mars 45. Hein. Ben, j'ai descendu depuis ici à Besançon. De Besançon, j'ai descendu à Mâcon. De Mâcon, j'ai remonté à Lure, et puis de Lure, à Strasbourg, puis on est parti en Allemagne. Hein. Ben, j'étais presque tout avec des Marocains, des Algériens, tous les types de la première armée. Ce qui m'avait foutu au train, je faisais partie du 28e train. C'est un régiment d'Oran. Là, on avait deux prisonniers allemands. C'est des anecdotes, mais qui restent. Il y avait un petit Algérien, un nommé Ali. C'était évadé de l'Allemagne. Trois fois. Il était repris deux fois. La troisième fois, il est venu au maquis. Il a réussi, il est venu avec nous et il est au maquis. Et lui, il voulait tuer ses deux prisonniers. Mais le chef n'a pas voulu. Il a dit non, ils sont prisonniers, on les tuera. Alors qu'il les a embarqués à l'air, là, dans le village de l'air, dans une ferme, chez Muller, c'est tout des trucs. Et ils les ont gardés 15 jours, puis au bout de 15 jours, ces deux prisonniers se sont évadés. Enfin, ils sont évadés. Ils sont repartis à Héricourt, à la caserne de Héricourt. Puis tout partout, ils ont vu les maquisards rentrer, hein, depuis Coutenant, Saint-Valbert. Heureusement que nous, Covenant, Betoncourt, ils ne nous ont pas vus depuis Vienne-Bussuret. Les troupes avancent sur Bavan. On était avec les troupes, on arrive à Bavan. À Bavan, le front s'arrête, hein, parce qu'attention, les autres, entre-temps, les Allemands, ils avaient mis des barrages anti-chars, alors des trucs, hein, où il fallait. Une demi-journée pour tout déglinguer, hein, avec et puis les bois, nettoyer les bois. Alors il y avait les goumiers, c'est là que j'ai fait la connaissance des goumiers, avec leurs petits bourricots. Alors eux, ils nettoyaient les bois. En fait, les tirailleurs marocains donc, ont eu un rôle très important dans la libération du pays. Ben les chars n'auraient pas pu avancer, hein, ils auraient toujours été en nuit. Hein. Ça, c'est sûr que là, moi je l'ai vu, je l'ai vécu. C'était bien fait, bien organisé. Hein. Comment ça se passait la vie dans la prison, la butte? Je sais bien, ça ne doit pas être marrant pour vous d'en parler, mais... C'était tout calme. On était assis par terre toute la journée, c'est tout ce qu'on faisait. C'est tout. On n'avait pas le droit d'occuper le lit, d'ailleurs, c'était des lits qui se pliaient, comme ceci, puis qui se rattachaient. Il y avait un machin ici, qui pouvait dire le lit, qu'on tournait. On n'avait pas le droit de se mettre assis sur le lit dans la journée. Ah non, c'était assis sous le ciment. Voilà, c'est tout ce qu'on faisait, on était assis toute la journée. Voilà. Et de temps en temps, le fruitier venait guetter, là, il y a un regard, hein. Ouais, il déclenchait son machin. Je vais vous raconter une. Le professeur Marc qui était avec moi, il me dit, je m'avais causé au marquis, qui me dit, cache le trou et ta tête, qui me dit. J'arrivais juste derrière ma tête. J'ai dit, d'accord. Mais pour dire, comment tu parlais avec le marquis? Dans le tuyau dans un tuyau. Oui, il y a le tuyau de chauffage qui traversait toutes les cellules. Voilà. Dans toutes les cellules, un tuyau de chauffage comme ça, gros, qui traversait les cellules. Alors, il causait comme ça. Et de l'autre côté, il entendait, il se mettait, il écoutait. Ce nommé Marthe qui me dit, mets-toi derrière le trou que je cause au marquis. Bon, je marche derrière le trou. Voilà le Fritz qui ouvre le guetteur, là, que c'était en guetteur, quoi, d'abord. Il a bien vu que je bouchais le trou avec ma tête. Il est rentré. Il a foutu une fumée à cet homme-là. Incroyable. Incroyable. Un homme qui était gentil comme un agneau et qui n'a rien fait. Bon, alors j'étais un grand résistant pour eux. Ils l'ont tué à cause de moi. Oh, qu'est-ce que j'ai pu prendre? Tous les jours, interrogatoire, tous les jours. Oh, je ne sais plus quoi dire. Mais j'ai dit, mais c'est pas moi qui l'ai tué, puisque j'étais en prison. Où c'est vos copains, où c'est qui c'est qui me disait. Alors, ils foutaient des torches. Fime, d'un côté, fime de l'autre. Puis l'autre, le chef, le bouche qui les interrogeait, il était là, lui, en face, quoi, comme ça. Puis deux, là.
Rentré dans la résistance, étant d'origine italienne, mon père a connu le fascisme en Italie, on est venu pour travailler ici. Vous êtes revenu quand en France? On est venu en 24. Et on a connu la dictature en Italie, et on est venu ici, et c'est pour ça que pendant l'occupation, on ne voulait pas une deuxième, surtout la plus pire, l'Allemagne hitlérienne. C'est pour ça qu'on a rentré dans la résistance.